les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une Monster Unboxing sur le stick arcade de Mortal Kombat. Donc en effet, avec l'épisode 9, Mortal Kombat 9, il y a eu un stick arcade, une Tournament Edition, une Ultimate Edition qui est sortie à cette occasion. Et comme vous le savez très certainement maintenant, les sticks PS3 fonctionne sur la PS4, donc pour jouer à Mortal Kombat XL, pourquoi pas avoir le stick Mortal Kombat provenant de cette Monster Edition. Regardez-moi le monstre total. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre dans le salon, parce que dans la gaming room, franchement, je sais pas comment j'aurais fait cette unboxing. Alors c'est hyper lourd, ça fait facile, facile 6-7 kilos. Donc c'est pour vous dire quand même la qualité de l'objet. Généralement quand c'est lourd, c'est bon signe. Alors, je l'ai eu grâce à mon aubergiste, grâce à Flo, le tenancier du Smart Toys de Sombreville, je vous en parle toujours. C'est un excellent magasin. Avec une de ses connaissances, il a pu me faire avoir ce stick. Je l'ai eu à un excellent prix. Et surtout, comme vous avez peut-être remarqué, il est totalement neuf, sous cello, jamais utilisé. Donc ben, je propose qu'on enlève le blist et qu'on regarde ensemble son contenu, qui est tout simplement faramineux. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir un. Je sais que c'est un stick de qualité tout à fait exceptionnelle. Comme je dis, maintenant on peut très facilement utiliser ce stick PS3 sur la PS4, donc why not. Alors voilà, le film plastique s'enlève très facilement comme d'habitude. Alors on a devant le super logo Mortal Kombat, l'arrière, l'artwork de Mortal Kombat 9, le logo Mortal Kombat sur chaque côté, et derrière, oh, c'est lourd à crever là, et derrière la composition de cette édition, mais ça on va regarder ensemble. Alors je sais que retirer le fourreau c'est très très dur. Alors, il y a un petit scotch qui le tient, je vais essayer de l'enlever avec délicatesse. Je reviens je vais procurer une paire de ciseaux. Une fois que vous avez sorti votre fourreau, alors le petit fourreau, vous le sortez par le dessus pour éviter d'abîmer. Parce que le fourreau, c'est du carton très souple. Le fait de le manipuler, vous allez déchirer à coup sûr, ça c'est sûr et certain. Ensuite, vous avez la vraie boîte qui est une boîte normale, une boîte noire. Et vous sortez le stick et après vous le remettez plus dans la boîte, sinon vous allez flinguer votre fourreau, ça c'est sûr et certain. Alors écoutez, je vais déscotcher tout ça. Alors il y a beaucoup de scotch, hein. C'est vraiment bien saucissonné. Donc ce stick, c'est quand même une pièce que je recherche depuis quelques temps, parce qu'à la sortie de MK9, j'avais pas eu la chance d'en avoir un. Je sais pas ce qu'il y avait eu, je l'avais pas réservé, j'en sais rien. Je sais pas qu'il y avait 31 pièces non plus. Je sais qu'il a été en promo pendant un certain temps, ensuite il a disparu de la circulation. Alors quand vous l'ouvrez, voilà, je vais montrer comment ça se présente comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben, on a évidemment le jeu Mortal Kombat 9, en neuf, c'est le cas de dire. Donc édition PS3 qui est vraiment bien, parce qu'il y a Kratos en plus par rapport à la version 360. Donc moi je l'ai déjà, donc ça fera une autre version à échanger ou à donner. Donc voilà, donc moi je vais surtout y jouer avec le stick, avec Mortal Kombat XL. Ensuite vous avez un cache de protection. Pour terminer avec le Monster Stick Arcade. Ouh là là, il y a des protections de partout.
Regardez-moi ça comme c'est emballé, de chez emballé. Et vous allez voir que ce stick a des spécificités assez sexy. Alors déjà, le design est juste magnifique. Regardez-moi ce design de malade mental. C'est même plus un design, c'est un objet de luxe. Alors vous avez particularité, vous avez une disposition Mortal Kombat hein, avec la touche bloc qui est mise à part et les touches d'action ici. Le stick, il est d'une qualité absolument monstrueuse. En dessous, vous avez un aspect velours comme ça, matelassé. Pourquoi vous posez le stick sur vos genoux? Ben, à cause du poids, ça ne vous fasse pas mal aux jambes, tout simplement. Donc ils ont pensé au confort. Devant, vous avez, vous voyez, une petite prise ici, mini USB pour brancher le câble du stick. Hein. C'est un câble de recharge. Alors, une particularité, ben, je vais vous le montrer avant d'en parler. La particularité ici, c'est que le câble est de rester dans un truc. Le stick s'ouvre pour ranger le jeu à l'intérieur. L'artbook de l'autre édition, par exemple, vous pouvez le mettre dedans aussi. C'est pas mal. Vous voyez, et vous pouvez voir un petit peu la conception. Vous avez une petite ouverture qui se fait ici pour pouvoir l'ouvrir. Je vais regarder où est le câble. Là, le câble, il était sur la boîte. Alors, comme j'expliquais, truc sympa aussi, qui n'est pas anodin, qu'il faut quand même en tenir compte, c'est que généralement, quand vous achetez votre PS3 ou votre PS4, ben, c'est pas le même embout, mais on va pas être PS3, bien, votre câble de recharge est très petit. Ceci pour vous servir en câble de recharge très long. C'est un câble de 2 mètres. Alors, vous branchez sur votre stick, ici. Voilà. Et ensuite, vous branchez à votre PS3. Ça fait d'office effet de manette si vous branchez à la PS3. Et pour pouvoir l'utiliser à la PS4, vous devez quand même brancher une manette PS4. Et ensuite, brancher votre stick. Et votre stick fera office de manette. Mais la manette PS4 va toujours rester allumée pour que le stick fonctionne. Et également, dans Street Fighter, ceux qui ont des sticks arcade. Donc moi, j'ai un autre stick PS3, celui de Tekken, Street Cross Tekken. Je l'utilise pour PS4. Et là, ben, dans Street, vous avez une option directement dans le jeu pour faire détecter votre manette. Donc là, c'est encore mieux pensé. Donc voilà ce Monster Stick Arcade Mortal Kombat. Alors, une pièce que je suis vraiment hyper heureux de posséder. Je vais carrément l'utiliser comme un malade mental. Et franchement, ben, la sensation du stick est absolument dingue. Alors, c'est un stick que je vous recommande évidemment. Alors à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, si vous voulez vous en procurer un, il y a possibilité via Amazon. Regardez, il reste une pièce, je pense, disponible, une ou deux pièces, et le stick est à 140€. Donc vous avez le jeu, le stick, enfin tout nouveau, comme je vous ai tout ce que je vous ai montré, la Tournament Edition, elle est disponible sur Amazon, donc tapez un œil si vous voulez vous procurer ce stick. Et petit rappel, il fonctionnera sur votre jeu Mortal Kombat X de la PS4. Si c'est pas top. Et aussi, je pense même que vous pouvez même le brancher sur le PC et jouer à des sticks arcade sur le PC avec, parce que je pense qu'il y a des drivers qui sont disponibles. Donc voilà pour cette unboxing, je suis très content de vous l'avoir présenté. Nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Faites chauffer les consoles. A plus.